Alors, comment vous sentez-vous? Je comprends pas ce que j'ai. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse. C'est fou comme elle danse bien. Les autres n'étaient pas terribles, hein, Marc. J'ai des sautes d'humeur. Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste. Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'édition, franchement? Tu n'as pas à commenter mes décisions. Elle est toujours comme ça? J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Tout le monde est dupe. Pardon de vous couper, Madame Péchou. Je suis généraliste. Oui, d'accord, mais bon, on se connaît depuis un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non? Vous êtes mariée? Je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je peux pas m'empêcher d'être agacée par sa nouvelle vie. Il est venu avec elle. Bah, c'est sa femme. On part bientôt au Maldives. Ah! Moi, tu m'emmenais à Dijon, chez tes parents. C'est dégueulasse. Bon, c'est la première fois que je vois Mathilde comme ça. Hein. Félix par-ci, Félix par-là. Et moi, rien. Elle papillonne tellement d'habitude. Elle a eu beaucoup de copains? Ah, j'en sais rien, j'ai pas compté. Hein. C'est pas trop genre d'être aussi désagréable. C'est parfois, il faut préserver ses amis. J'agis par impulsion et après je regrette. Ça y est, t'as fini? Même si tu veux plus me voir, tu peux pas m'empêcher de t'aimer et de te défendre. C'est con. Tu peux pas comprendre, toi, tout va bien. En plus, ta fille, elle est moche.